tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de chez Jordan. Un petit peu enrhumé, oui, avec les allergies, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un invité que j'adore et que vous connaissez bien si vous regardez Télématin notamment, mais il a fait tellement de choses ailleurs. Bonjour Frédéric Zetoud. Salut, comment ça va Jordan? Ben super, et vous êtes en forme? En pleine forme et content de vous revoir, on se voit comme ça tous les deux ans, ça je fait vous. Je prends de vos nouvelles, c'est comme ça. Je vous en donne avec plaisir. Et voilà, j'ai mes petits invités qui viennent me voir tous les ans, c'est un fidèle Frédéric Zetoud. Bon, vous le savez, en fin d'émission, les questions cash, des questions les yeux dans les yeux, cher Fred. Yes. Et puis, cette émission est à retrouver en intégralité sur MyCanal, les replays. Faites-vous plaisir, vous allez en avoir du Zetoud autant que vous voulez toute la journée. Ouais. Allez, c'est parti, on va parler un petit peu promo. On commence comme ça cette émission. Fauteuil d'artiste, cher Fred, vous venez nous voir pour ce livre, l'incroyable histoire du petit juif à roulette. Oui, ça c'est le bandeau que l'éditeur a voulu absolument mettre pour rappeler le titre du spectacle qui avait bien marché. Ça vous a dérangé? Bah, moi, je pense que le titre, Fauteuil d'artiste, est super joli. C'était génial. Maintenant, aussi, vous savez maintenant qu'il y a aussi des lois marketing. Ouais. Et quand les représentants vous disent, on va pouvoir le mettre plus en librairie, ouais, si on met le bon. Ouais. Moi, franchement, ce bandeau, très très honnêtement, j'étais pas fan. Ah d'accord. Ouais. Il ne dérange personne. Enfin, moi, ça me dérange pas. Ouais. Les gens qui lisent le bouquin et ouais, ils prennent du plaisir, c'est ce que je veux. C'est vrai que ce bandeau n'était pas. Il le sait, hein, mon ouais, éditeur chéri, ouais, il le sait très bien que j'étais pas fan de ce. Pas fan du bandeau. D'ailleurs, il y a eu un retirage où le bandeau n'est plus. Il y a déjà eu deux retirages. D'accord. Vous imaginez un peu. Qu'est-ce qui vous dérangeait avec ce bandeau? Bah, je trouvais que ça rappelait un truc qui était ancien. L'histoire enchantée du petit juif à roulette, c'était un spectacle que nous avons joué pendant 4 ans, ouais, qui a été mis en scène par Alain Sachs, ouais, le bonheur de travailler avec Alain, c'était vachement bien, mais c'est une époque qui est terminée. Voilà. Vous y racontez quoi dans ce livre, Frédéric? Ce livre, bah, je raconte ma vie, j'ai envie de faire ce livre pour trois raisons. Principale raison, c'est un hommage à mes parents. Ce n'est pas du tout une autobiographie, comme c'est marqué. Si, c'est une autobiographie, mais c'est surtout un hommage à mes parents. Vous le savez, Jordan, les chansons meurent quand on ne les chante plus. C'est vrai. Les gens décédés meurent vraiment quand on n'en parle plus. Ouais. Mes parents ne sont plus là. Ils ont fait des choses absolument incroyables dans leur vie, comme le fait de faire que j'ai une vie normale et que je puisse étudier. Je vous assure, dans les années 60 et 70, faire admettre un enfant paraplégique, je suis né paraplégique, ouais, faire admettre un enfant à l'école et au lycée, au collège. Ben, c'est pas facile. Hein. Situation de handicap, c'était, aujourd'hui c'est déjà pas évident, mais alors à l'époque c'était juste mission impossible, et mes parents qui avaient juste un certificat d'études pour tout bagage qui arrivait de Tunisie, ont fait bouger plus de choses que des énarques assermentés. Donc rien que pour ça, je voulais leur rendre hommage, je voulais que mon fils qui a 16 ans et qui aujourd'hui, bon, s'en fout un petit peu de ce qu'écrit son papa aujourd'hui, ouais, il n'écoute pas franchement ce que j'écris. Voilà. Il est dans son truc, voilà, il c'est est dans normal son truc d'ado, mais bon, voilà, je voulais lui laisser un truc, je voulais lui laisser une trace, et puis je pense que le livre, il l'a lu avec beaucoup plus d'attention que je ne l'aurais pensé. Et puis surtout, on est en France, un pays où on a beaucoup de retard pour ça, c'est clair. On en a souvent parlé, ouais, pour les gens en situation de handicap. J'ai la chance d'avoir un micro, on me tend de temps, ouais, en temps un micro, j'ai la chance de prendre la parole. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui n'ont pas cette, ouais, chance-là. Ouais. Si je peux de temps en temps prendre la parole pour les gens qui ne l'ont pas, bah écoutez, je le fais avec grand plaisir sur ce sujet-là. Et je trouve ça génial, vous le savez, à chaque fois, hein, je suis le premier à essayer de faire en sorte qu'on puisse aussi en parler, parce que bien je sûr trouve ça génial, et je vois qu'il y a des trucs qui me rendent fou avec le handicap, on en parlera tout à l'heure. Et vous en parlez extrêmement sainement, je le dis, vous en parlez toujours très cash et extrêmement sainement. Bah oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bah peut-être, mais en tout cas, il y a un truc qui me rend fou, c'est qu'à Paris, le métro n'est pas accessible pour les gens qui sont fauteuil roulant, c'est la ligne 14, Jordan. Il y a une ligne 14. Ouais, c'est... Il faut donc habiter, ouais, se marier, ouais, copuler, travailler, ouais, et s'amuser sur la, voilà, ligne 14. Ou alors sinon, être riche et prendre des taxis toute si la journée. Si vous habitez sur la ligne 13, c'est raté. Je trouve sincèrement que c'est une honte qu'on n'ait pas mis des installations pour toutes les personnes qui sont à mobilité réduite, surtout le métro. Surtout, est-ce que les gens qui sont à mobilité réduite n'ont pas plus d'argent que les autres, ils ne peuvent pas plus se payer un taxi. Puis, Jordan, si je puis me permettre de rajouter à votre propos, il y a un truc qui est absolument honteux. Que le métro parisien, que des lignes qui datent de plus d'un siècle ne puissent pas être aménagées, je peux l'entendre. Ce qui est absolument honteux, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille, qu'on est en situation de handicap, donc on est obligé de prendre sa voiture, rouler. La maire de Paris, Madame Hidalgo, a décidé une fois pour toutes de vider Paris de ses automobiles. Je peux l'entendre. Elle a été, ouais, élue pour ça, avec beaucoup d'abstention, mais elle a été élue pour... Bon, voilà, c'est la loi de la démocratie. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture? On fait comment? Quand aujourd'hui, pour aller d'un point A à un point B dans Paris, moi, je sais pas, j'ai 6-7 rendez-vous par jour, j'ai la bien chance sûr de travailler, et tant mieux, et je ne suis pas le seul. Vous mettez 1h15 dans votre voiture pour faire 10 km, ça devient ingérable. Et dans ces cas-là,
qu'elle laisse les voies de bus et les voies de taxi pour les personnes munies d'un macaron GIC. Elle avait promis de faire ça. Elle s'y était engagée. En fait, c'est pas de son recours, c'est du recours de la préfecture. Elle le savait d'ailleurs en promettant ça. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve sans l'autorisation de prendre les voies de bus, ce qu'elle avait promis en campagne. Et c'est pas bien. Voilà, c'est vraiment pas bien. Et quand on promet des choses, on les fait. C'est important de le dire, c'est vrai. Alors, on est sur l'enfance avec Frédéric Zetou, vous l'avez compris, on a déjà commencé cette émission. On parlait tout à l'heure de votre famille, Tunis, évidemment. Oui, oui. Et cet handicap, cher Frédéric, qui fait aussi votre particularité, parce que vous voyez, vous en jouez sur le livre, ce petit juif, vous voyez, à roulette. À roulette, c'est, bah oui, c'est un petit clin d'œil. Et ça permet de montrer aussi, c'est bien les différences à la télé, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont valides, c'est pas ça la vraie vie. Et c'est bien aussi qu'on puisse voir des personnes. Bah, que ce vivre ensemble dont on nous rabat les oreilles à longueur de temps, qu'on puisse de temps en temps le vivre pour de bon. Et ne pas simplement l'évoquer. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est, quand vous êtes né, c'est bien ça ? C'est ça, je suis né avec une malformation. Ouais. Je suis né à Tunis et à l'âge de 8 jours, mon père m'a pris sous le bras. Et ce n'était pas la valise en carton, c'était le couffin en osier. Et on est arrivé, il a laissé donc ma maman et mes deux grandes sœurs à Tunis. C'était en 61. La Tunisie, la déclaration d'indépendance de la Tunisie avait été. Habib Bourguiba était arrivé au pouvoir en 56. Donc on savait très bien qu'il fallait partir à un moment ou un autre. D'accord. Mais là, on est parti précipitamment, puisque, à l'âge de 8 jours, on est arrivé dans un service de chirurgie néonatale. Et j'ai eu la chance d'être opéré et de survivre et d'être devant vous aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. Et rien que pour ça, c'est bien. En pleine forme. Bah, c'est une petite occasion de me voir comme une autre. Voilà. Qu'est-ce qui est handicapant dans la vie, Frédéric Zetoud, quand on a du mal à se déplacer, sincèrement, le plus difficile à vivre, c'est quoi ? Moi, je ne me suis jamais senti autant handicapé que dans le regard des autres. Ouais, c'est intéressant, ça. Je ne me sens jamais autant handicapé que lorsque je suis face au manque, pas à l'urbanisme, au manque d'urbanisme. Ouais. Quand vous voyez qu'il y a des lois qui sont votées en France, il y a la loi de l'accessibilité universelle. Je vais vous dire ce que c'est. Et Jacques Chirac, en 2005, le président Chirac, c'est le seul président d'ailleurs qui, à ce jour, parce qu'il était touché en sa chair et en son sein, puisque sa fille Laurence était en fauteuil roulant, c'est lui qui a fait voter en 2005 la loi dite de l'accessibilité universelle. Tous les établissements destinés à recevoir du public se doivent d'être aux normes pour recevoir tous les publics. Un resto, un cinéma, un théâtre, on doit pouvoir y rentrer. Et bien, imaginez-vous que cette loi qui a été votée en 2005 a eu des dérogations, il y a eu des dérogations qui ont été données aux gens depuis 2005. Et ils ont une dérogation pour se mettre aux normes qui nous amène maintenant en 2024. De 2005 à 2024, et vous verrez qu'en 2024, il y aura encore une dérogation, et François Hollande, en 2015, a redonné un délai raisonnable de 9 ans à ces établissements pour qu'ils puissent se mettre aux normes. Donc, vous pouvez aujourd'hui. Il y a des lois, ces lois n'ont pas de pouvoir coercitif, n'ont pas de force coercitive, donc on peut payer des amendes, on peut demander des dérogations et vivre complètement hors la loi. Et donc aujourd'hui, il y a encore plein de lieux qui sont destinés à recevoir du public qui ne vivent pas hors la loi. Et qui vivent hors la loi. Et donc là, vous vous sentez vraiment handicapé. C'est pour ça que moi, je parle toujours de situation de handicap plutôt que d'handicapé. Handicapé, ça a quelque chose de. Empêcher, on ne peut pas, ce n'est pas possible. En situation de handicap, oui, quand vous arrivez dans un lieu public dans un restaurant et que vous demandez à un moment à aller aux toilettes au bout de 2 heures... Bien sûr, ça vire à l'humiliation au bout d'un moment de temps. C'est ça le problème. C'est ça, c'est qu'on vous dit, mais il n'y a pas. Ben alors ça, on n'a pas pensé. Et puis, plus grossier, on en voit tellement peu des gens comme vous qu'on va est quand même pas condamné de table. Ça, c'est terrible. Dans ces cas-là, moi, ma carte bleue, c'est ce genre-là ne la voit plus non plus. Ils voient peu de gens comme moi, ils ne verront pas ma carte bleue non plus. Donc voilà, c'est ça, c'est dans ces moments-là où on se sent vraiment en situation de handicap, c'est vraiment là. L'amour a frappé chez M. Zetoud. Oui. Ça s'appelle Sabrina. Oui. Regardez. Ah, mais on est bien là. Bah oui, c'est joli. On a l'air d'avoir fumé, je ne sais pas quoi, mais enfin, non, je vous assure qu'on était. Elle est très belle cette photo, on peut la mettre en plein écran, s'il vous plaît. La photo, alors, elle s'appelle Sabrina, ça fait 25 ans que vous êtes ensemble. 30 ans maintenant. 30 ans. Ah bon ? 30 ans. Mais qu'est-ce que j'ai loupé un épisode ? Non, mais ça fait 30 ans. Non, parce qu'il y a les années dans le péché, les années déclarées, les années hors TVA, les années à TVA. Moi, j'étais hors TVA, alors ça va être ça. Il y a un fils, Simon, qui est né étudiant, 10 ans. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Il n'est pas né étudiant, je crois, Simon.
Simon, c'est l'enfant de l'amour. C'est l'enfant de l'amour. C'est un petit enfant qui a été adopté, c'est bien ça. C'est l'enfant de l'amour. L'enfant de l'amour. C'est notre fils. Il a 16 ans aujourd'hui. Il a tous les stigmates de l'adolescent qui cherche un petit peu. Il fait 1m85. Ouais. Son grand truc, c'est papa, quand est-ce que tu vas bosser pour des rappeurs? Là, au moins, tu feras un peu de droit d'auteur. Ah, d'accord, ok. Ah, voilà. Non, c'est un peu ça, voilà. Mais c'est l'amour de notre vie. Et franchement, la vie est belle. Et moi, vous savez, quand je me lève le matin et que je vois le sourire de ces deux-là... Donc, ouais, bah oui, bien sûr. Voilà, ouais. Bah, le reste, on s'en fout. Le parcours est long pour faire un enfant avec l'amour, comme vous dites. L'amour, c'est un enfant d'adoption. Bah, c'est difficile, ça a été un parcours difficile, alors, Frédéric Zetoun. Je crois que l'agrément, c'est assez marrant. L'agrément qui vous donne le droit d'adopter, c'est comme le baccalauréat. Une fois que vous l'avez, vous avez un diplôme, mais vous ne savez pas ce que vous allez en faire. La symbolique, je la trouve assez amusante. À l'époque où nous sommes passés par cette procédure, l'agrément durait 9 mois. D'accord. Donc c'est quand même amusant, et ce délai-là est quand même amusant. Après, honnêtement, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Je sais qu'au niveau de l'adoption internationale, c'est devenu extrêmement compliqué. Tant mieux, ça prouve qu'il y a de plus en plus de pays où les enfants peuvent être adoptés sur place ou avoir des parents qui les élèvent. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je sais que vous êtes assez discret sur ce sujet. J'ai reçu Laurent Cabreuil il n'y a pas très longtemps, qui nous a dit pendant l'interview qu'il avait eu des enfants aussi d'adoption. Je sais. Et il ne l'avait jamais dit encore sur un plateau. Et je l'ai vu cette émission. Ça m'a ému parce que je me suis dit, mais c'est fou, ça m'a ému, pardon. Parce que je me suis dit, mais c'est fou quand même. Il ne l'a pas dit. Est-ce que c'est plus dans. Vous savez certainement pourquoi ? C'est plus dans le respect de l'enfant, parce qu'il ne faut pas trop dire qu'on a été adopté. Je vais vous dire pourquoi. Non, alors nous, on s'en est jamais caché. Simon, c'est exactement... Ouais. Simon, c'est son prénom. Il sait exactement d'où il vient et son histoire. Et rien ne... C'est juste qu'à un moment, mais à part quand on me pose la question, mais moi, c'est mon fils. Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et donc, vous savez, ce temps passé, ces démarches, le jour où vous avez votre gosse dans les bras, c'est fini. Mais c'est fini, vous avez oublié tous ces, entre guillemets, ce parcours du combattant, mais il devient léger. Une fois que vous avez la raison de ce parcours combattant entre vos bras, une fois que vous êtes parent, mais franchement, on oublie tout ça. Donc c'est pour ça. Et puis, c'est vrai que ça lui appartient à lui. J'en parle parce que je n'ai aucune raison de ne pas en parler. C'est un fait. Mais voilà, on n'en fait pas 15 tonnes. Dernière question. Comment dire à un enfant qu'il a été adopté, est-ce qu'il y a des choses à dire, d'autres à ne pas dire? Est-ce qu'il a fait des recherches sur les parents biologiques ou pas du tout, Frédéric Zetoun? Non, ça lui appartient, c'est son intimité à lui. On lui dit juste que voilà, que son papa et sa maman, le chemin de sa maison, il l'a trouvé quand il avait 5 mois. Voilà, il y a eu un petit détour. D'accord. Il y a eu un petit détour et au bout de 5 mois, il a enfin trouvé sa maison et son chemin. Voilà, c'est tellement joliment dit, évidemment. Mais c'est tellement comme ça dans la réalité. Oui, bien sûr. Les coulisses de la télé avec Frédéric Zetoun, c'est maintenant. Jacques Martin, c'est magnifique. Lui, c'est quelqu'un qui a changé ma vie. Ah, il a changé votre vie. Ouais. Lui, il a changé. Vous savez, on vous pose toujours la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé? Oui, lui, il a changé ma vie. Il a ouvert des possibles que je ne pensais pas possibles. D'accord. Il m'a dit, mais tu vas faire de la télévision. Tu sais qu'en fauteuil roulant, on peut faire aussi de la télévision. Il vous a dit ça, Jacques Martin. Mais Jacques, je l'ai rencontré pour un livre que j'écrivais. Je voulais avoir son témoignage sur l'émission Le Petit Rapporteur. D'accord. Et je ne savais pas qu'il produisait une émission à l'époque qui s'appelait Un Siphon Fonfon, où il y avait, c'était une revue satirique de l'actualité. Et cet entretien qui devait durer 10 minutes a duré 4 ans. Mais vraiment, incroyable. Ça s'est vraiment passé comme ça. Vraiment. Et je garde de ce monsieur qui était fou, qui avait des colères homériques, qui pouvait... Alors ça, on parle beaucoup de ses colères, c'est vrai. Oui, ça fait beaucoup couler d'encre en ce moment. Les ex-femmes qui se confient... Le mec était tellement génial. Le mec était tellement altruiste. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de ce mec. Il y avait un égo boursouflé d'un côté. Ouais. En fait, c'était un type totalement malheureux, mais vraiment malheureux. C'était vraiment un type malheureux, alors. C'était vraiment un type malheureux qui voyait souvent ce qu'il n'avait pas plutôt que de voir ce qu'il avait. Il voulait être acteur, à la base. Il aurait voulu être Jean-Yann. Il avait commencé avec Jean-Yann. Il aurait voulu avoir la carrière de Jean-Yann. Il a fait une carrière magnifique à la télévision. Et puis, c'était vraiment quelqu'un, quand il vous appréciait, quand il pensait que vous aviez du talent, il vous poussait, il vous regardait. Ses colères, elles pouvaient aller jusqu'où, Frédéric Zetoun? C'était des colères qui nous faisaient rire, c'était des colères d'opérette. Et quand il se mettait à bouder dans un coin du studio. Ah oui, et il boudait habillé en schtroumpf, et qu'il fallait que quelqu'un de l'équipe aille le chercher en disant « Jacques, viens, on a besoin de toi. »« Non, 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 vous n'avez plus besoin de moi. » Il y avait cette phrase qui est
Je ne sais pas s'il nous entend d'où il est. Un jour ici, ce sera un parking. Vous verrez, un jour ici, ce sera... En parlant du théâtre de l'Empire, ouais. Ce n'est pas un parking, c'est un hôtel. Mais il savait bien que, voilà, que c'était les dernières années de cette télé-là. Ouais. Une télé qui était extrêmement agréable à faire. On a tellement aimé. Moi, il n'y a pas une semaine, vraiment, ce n'est pas une phrase, il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à un de ses concerts. À un de ses concerts. Télématin. Ah, oui. Frédéric Zetoud. 25 ans, vous imaginez? Ça fait 25 ans. 25 ans, ça fera 25 ans le 14 juillet. Incroyable. Alors là, vous les avez vus tous passer. Hein. Ouais. Mais tous passer. Sophie d'avant, Laurent. Non, Sophie, c'était une chose. C'était au programme. Pardon. Mais elle a fait aussi Télématin. Elle a fait Télématin. Voilà. Vous étiez, voilà, vous étiez. Alors, on peut en parler deux secondes de Sophie d'avant. C'est l'ami. Oui, c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que je ne vois pas tous les matins. Ouais. À chaque fois qu'on se voit, on se tombe dans les bras et c'est pas fin. C'est vraiment quelqu'un qui a, elle aussi, une vraie générosité. J'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec elle durant quelques 18 ou 19 ans, parce que l'émission s'est arrêtée il y a quelques années. Et à chaque fois qu'on se revoit, c'est toujours un vrai plaisir. L'arrêt de cet au programme, ça a été dur pour Sophie d'avant. Vous en avez parlé quand ça s'est arrêté, quand on a passé autant de temps avec quelqu'un. Une émission qui s'arrête, une famille qui est obligée de se séparer à un moment ou à un autre professionnellement, ça laisse jamais indifférent. Maintenant, Sophie, elle a rebondi magnifiquement bien. Ouais. La plupart des chroniqueurs que nous étions, je crois, plus ou moins, se sont tous recasés. Franchement, voilà, mais ça, c'est la vie de nos métiers. La vie de vos métiers. C'est aussi, des fois, des choses qui sont complexes, hors plateau. Avec Laurent, notamment, Mignolias, c'est vrai, ça a fait beaucoup couler d'encre aussi. Vous étiez là, vous. Moi, j'étais là. Je ne vais pas parler la langue. la langue de bois, je déteste ça. Ouais. Moi, on m'a dit pique-pendre de ce monsieur. J'ai entendu pique-pendre. Je n'ai eu que des rapports absolument courtois et cordiaux avec. C'est super. Ouais. Ouais. Franchement, je ne peux pas vous dire un truc que je n'ai pas vu. Ouais. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Je sais qu'il y a eu. Moi, franchement, j'ai vu un type toujours courtois, professionnel. Je n'ai rien à dire d'autre. Super gentil. Laurent, qui viendra bientôt nous voir sur le plateau pour nous raconter sa nouvelle vie. Vous saurez tout dans quelques semaines. Nouvelle vie de Laurent Mignolas. Exactement. Thomas Soto et Julia Vignali. Alors ça fait beaucoup couler d'encre aussi. Je les connais pas. Oui. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Parce qu'apparemment, ils se sont pris la tête et ils ne se parlaient plus. Il faut les appeler, Jordan, il faut les appeler, appelez-les. Moi, je vous pose des questions, moi, j'ai jamais été sur le plateau. Moi, je suis télématin week-end, donc je travaille avec, Damien Thévenot et Maya Loquet. Donc, effectivement, on se croise, mais je n'ai jamais travaillé avec eux, donc je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Par contre, je peux vous trouver leur numéro de téléphone. Non, mais on va aller les voir directement à France 2. Moi, je vais y aller un jour. Allez, Plus belle la vie. Ça, c'est génial parce que vous avez participé à cette série. J'ai joué pendant 17 épisodes. Alors, ce qui était formidable, ils avaient décidé, vous le savez, Plus belle la vie, il y avait une prétention sociétale, une dimension sociétale. Bien sûr, ouais. Et donc, il y avait des thèmes que l'on voulait traiter. Et un jour, ils décident de traiter le thème du handicap. Et chose assez remarquable pour le noter, ils ne voulaient pas prendre un comédien valide et le mettre dans un fauteuil roulant, ils voulaient quelqu'un qui soit vraiment en situation de handicap. Je me retrouve à passer des essais. Franchement, je ne savais pas du tout c'était que jouer la comédie. Je bosse, à ce moment-là, je répétais l'histoire enchantée du petit Juif à roulettes, donc je demande à Alain Sachs, qui était notre metteur en scène, et de me faire bosser les quelques scènes. Je les passe, ces scènes, et on me dit, t'es pris. Et ce qui était formidable, alors, l'idée était de faire un type qui soit tout sauf gentil. Donc en fait, je devais jouer, mais excusez-moi, un grossier personnage. Mais c'était tellement écrit avec le gras du stylo que franchement, ce mec, il y avait pas de nuance. Vous imaginez la première réplique que je devais dire à cette magnifique actrice dont le nom m'échappe, qui maintenant a joué dans, qui joue cette policière autiste et qui était à l'époque, qui a fait une série magnifique, Raphaël et Astrid et Raphaël. Voilà, et Astrid et Raphaël. Donc une des comédiennes, la ravissante blonde dont le nom m'échappe tout de suite mais qui va me revenir, elle était prof, moi j'étais prof donc dans le même établissement qu'elle, et je lui demande, c'était ma première scène avec elle, ma première scène de tournage sur Plus belle la vie, pardon, est-ce que je peux vous demander où se trouvent les toilettes? Et elle, très très naturellement, elle prend les poignées de mon fauteuil roulant pour m'accompagner, et ma première réplique était de lui dire dans les yeux, pourquoi chérie, tu veux me la tenir? Vous imaginez, c'était ça les dialogues. Ouais, c'est dur. Hein. Donc franchement, je trouvais que le personnage, c'était sympa de casser les codes et de pas faire un mec en fauteuil roulant, sympa, que tout le monde aime bien. Ouais. Parce qu'on peut être en fauteuil roulant et être un enfoiré. C'est vrai, vous en connaissez beaucoup. J'ai des noms. C'est vrai, je vous les présenterai. Allez-y. Mais là, je trouvais que le personnage était
pour le coup, par trop caricatural. Ouais. C'est-à-dire que du coup, il était juste odieux, le mec. Bien sûr. Il avait plus rien à défendre. Du coup, vous avez fait réécrire un petit peu quand même. Non, je n'ai pas pu faire réécrire. Je n'avais pas du tout ce pouvoir-là. J'avais signé pour jouer. Je l'ai joué à ma façon. J'ai essayé de ne pas être aussi agressif que les dialogues semblaient l'être. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais ça reste un bon souvenir. Être grassement payé pour jouer un enfoiré, c'est vraiment super. Ah, ben on va parler de l'argent. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous répondre, vous le savez. Les questions cash, on y va. C'est parti avec monsieur Frédéric Zetoud. Quand on s'appelle Frédéric Zetoud, oui, et qu'on a été un des chroniqueurs phares de Télématin, oui, vous êtes toujours d'ailleurs, combien on gagnait par mois à la grande époque? À la grande époque, entre 10 milliards et 15 milliards. Je crois qu'il allait dire 10 000 et 15 000. Non, je ne peux pas vous répondre à cette question. On serait aux États-Unis, je vous réponds tout de suite. D'accord, ok. Là, on est dans un pays... Trop compliqué. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas cette culture-là. Je sais qu'il y a des tas de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ouais. Je trouve ça indécent. D'accord. J'ai toujours bien gagné ma vie. J'ai toujours travaillé pour bien gagner ma vie. Je ne pleure pas misère, au contraire, je suis très content. Moi, je suis très content de mon sort. Mais de venir étaler ce qu'on a quand des gens... Moi, je suis très content de payer des impôts. Ouais. Ça me fait plaisir. Bah, c'est bien de le dire, ça. Et j'espère en payer plus l'année prochaine que cette année. Ah bon? Vraiment. Bah, oui. Vous espérez payer plus d'impôts l'année prochaine? Bah, que mes chansons auront plu, oui, que j'aurai fait des concerts. Oui, mais c'est rare d'entendre ça en France. Mais c'est qu'on est en bonne santé, c'est tout. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est continuer à être en bonne santé, continuer à travailler, continuer à écrire. Ouais. Donc, payer des impôts, ça veut dire que vous avez gagné de l'argent. Donc, bah, et quand on gagne de l'argent, on paye des impôts. J'espère payer plus d'impôts l'année prochaine. Voilà. C'est la première fois que j'entends ça. Non, mais c'est vrai. Mais je comprends le cheminement de votre réponse. Le chroniqueur de Cyril Hanouna, avec qui vous ne partiriez pas en vacances? Est-ce qu'il y en a un qui ne vous revient pas des masses? Je ne les connais pas. Il y en a une avec laquelle je partirais volontiers en vacances parce que c'est ma pote, c'est Daniel Moreau. Ah oui, c'est vrai. Que vous avez reçu il n'y a pas trop longtemps et que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous l'avez connu à Télématin? Je l'ai connu à Télématin. De temps en temps, je la vois quand il m'arrive de zapper et de tomber sur cette émission. Vous savez, généralement, je ne suis pas rentré à la maison à cette heure-ci. Est-ce que vous en parlez, Daniel Moreau, quand ça n'allait plus à Télématin, Frédéric Zetoud? Elle en a très peu parlé. Daniel est quelqu'un de très digne, de très classe. Voilà, elle a fait un choix, elle est partie. Je pense qu'elle est très heureuse, je l'ai vue là. Elle a eu raison, entre nous. Bah, écoutez, elle a l'air heureuse en tout cas. C'était un différent avec quelqu'un, on ne sait pas beaucoup plus, hein, mais qui travaillait chez France Télévisions. Et vous l'avez eu devant vous et à votre micro, donc je pense que vous lui avez posé la question. Moi, tout ce que je peux vous dire, je viens de passer un week-end en tout bien tout honneur avec elle et dans un salon du livre. D'accord. Elle a l'air épanouie et heureuse. Et ça, quand on aime ses amis, on a envie de les voir heureux. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous, Frédéric Zetoud, qui vous a vraiment fait de la peine? Là, comme ça, j'en vois pas. La plus belle chose que vous ait dit une personne qui vous a reconnu? Oh, ça arrive fréquemment, c'est des petits mots, c'est pas des grandes déclarations, c'est... j'écoute votre chanson en boucle. Ah. Votre chanson m'a fait du bien. Ou alors, de vous voir le matin à la télévision, c'est un petit rayon de soleil. Ouais. Ça me fait toujours plaisir. Le plus beau jour de votre vie, Frédéric Zetoud? Le jour où j'étais papa. Ah. Si vous aviez à dire un mot sur la place du handicap dans la télévision française, vous diriez quoi? On est les absents, les absents du PAF. Ça bouge, espérons que ça va encore bouger. Pas beaucoup, hein. Mais pour l'instant, on est quand même les invisibles du PAF. Rien que sur France Télé, je crois que vous êtes le seul. Je pense, j'ai pas fait de recensement, mais... Non, mais il n'y a pas de recensement à faire. Vous savez, il y a tous les ans l'ex-CSA, donc l'ARCOM, le CSA en tout cas le faisait jusqu'avant le confinement, il y avait sur 1500 heures de programme indexé, on voyait la place des gens en situation de handicap visible à l'image, et je crois qu'on arrivait à 0,6% du temps d'antenne, vous imaginez, alors que entre les gens en situation de handicap définitif et temporaire, il y a 12 millions de personnes. C'est clair. C'est quand même... C'est pas représentatif de la société, voilà, du coup. C'est un miroir, la télévision aujourd'hui n'est pas un miroir représentatif sur cette minorité-là. C'est une vérité. Je tiens quand même à faire un clin d'œil à Cyril Hanouna. C'est pas parce qu'il est sur la même chaîne, mais c'est le seul aujourd'hui à faire une émission qui s'appelle TPPOAT, ouvert à tous, où il invite des personnes en situation de handicap qui met en tant que chroniqueur. Et ça, c'est quand même très respectable, parce que c'est le seul aujourd'hui qui le fait. Tout à fait. Sur les autres chaînes, il n'y a personne qui le fait. L'invité de Télématin, avec qui il vous est arrivé une anecdote? C'est James Brown. Ah oui. James Brown, Sex Machine, ouais. Juste avant qu'il ne décède, quelques mois avant,
Il a fait une interview où on n'a pas compris un traître mot. On a envoyé, il était chargé comme une mule. Mais quand je vous dis il chargé, avait picolé comme un trou. Ah non, 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 c'était plus que ça. Je pense qu'il avait pris, il avait descendu une grande poudreuse, quoi. Vraiment. Ah d'accord, ok. Et en fait, il nous a parlé de Jesus pendant, pendant toute l'interview. J'ai traduit ça en voice-over, c'est-à-dire qu'on a incroyable. Mis ça loin. On a carrément envoyé ça au frère du réalisateur qui vivait aux États-Unis avec qui j'avais tourné ce sujet, Jean-François Lecaque, pour ne pas le citer. D'accord. Le frère nous a dit, mais il dit n'importe quoi, c'est un délire total. C'est drôle. Et donc j'ai inventé ses réponses. On a passé, je peux vous le dire, on a passé une interview de James Brown où on chopait un mot de temps en temps, donc j'essayais de reconstruire la phrase. C'est génial. C'était moi qui faisais la traduction. J'adore. Donc voilà, on a fait parler de James Brown. Ça, c'était vraiment un grand moment. La question qui vous agace le plus, Frédéric Zetoud ? Est-ce qu'il y en a eu deux ? Il y en a pas. Et on termine avec ce que vous aimez qu'on dise si demain vous disparaissiez. Qu'est-ce qu'on retienne de vous, Fred ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi ? J'ai pas envie de disparaître tout de suite. Ça, et c'est sûr. Comme moi aussi. Pareil, on est tous pareils là-dessus. Il y a quelque chose qui vous ferait plaisir ? Que j'ai fait de mon mieux. Vous avez fait de votre mieux ? Que j'ai fait de mon mieux. Ça, c'est une phrase courte, mais elle veut dire beaucoup de choses, cette phrase. Que j'ai fait de mon mieux avec les gens, et que voilà. Question d'une téléspectatrice. Oui. Elle s'appelle Barry Lead. Ah, attention. Bonjour, monsieur Zetoud. Je suis moi aussi en situation de handicap. Oui. Et je trouve que la France est très complexe avec les gens qui ont des soucis de handicap. Très en retard, Marilyn, très en retard. Auriez-vous un message à passer au président de la République ? Qu'il fasse respecter les lois, juste ça. Que ces lois qui ont été votées, que ces lois qui sont là, que juste on les respecte. Voilà. Et puis qu'on avance, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Je suis sûr qu'au niveau de l'intention, il n'y a pas de mauvaise intention. Oui. Je suis pas sûr que nos politiques aient envie, ici en France, d'être plus en retard qu'aux États-Unis. Il y a juste une façon de voir. Vous savez, tout est question de savoir où vous placez votre caméra. Tout est question de l'angle. Vous avez eu des soucis avec la SNCF, je m'en souviens, vous en avez fait parler. Est-ce que ça s'est calmé ? Il y a toujours des gens bien et des gens qui sont toujours... On vous avait demandé une carte d'invalidité alors que vous étiez en fauteuil. En me demandant, mais oui, mais ça d'accord, le fauteuil, mais votre carte d'handicapé, c'était mieux que ça. Votre carte d'handicapé. Bref, bon, une personne handicapée est une personne qui a des moyens, qui est un consommateur. On veut que ce consommateur puisse dépenser son argent. Point barre. Point barre. Voilà, c'était le message. Merci beaucoup, Marilyn, de s'intéresser à notre émission et de nous avoir envoyé ce petit message. Salut, Fred Zetoud. À bientôt. Vite. C'était un plaisir. On se retrouve nous dès demain avec une nouvelle émission. Vous ne voulez pas venir dormir avec moi ce soir ? J'ai besoin de quelqu'un qui me mette une petite bouillotte sous le nez. À demain sur C8. Je vous embrasse très fort. Bisous. Bye.